Bonjour à tous, on se retrouve sur Holy Cube. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je ne vais pas jouer avec vos neurones. On va laisser de côté la redstone. On avait fait euh, énormément de redstone la dernière fois, les deux derniers épisodes. Je sais que c'était assez technique. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde, mais c'était bien de faire cette méga salle des coffres gigantesque de salle des shulker box. Aujourd'hui, on va s'occuper de quelque chose de plus sympa, de la décoration, hop là, de la salle des coffres. Donc, euh, on va voir quel design utiliser pour faire un truc qui soit joli et qui en même temps euh, puisse avoir du stockage, hein, à savoir que... Alors, je crois que mon point central, c'est là, c'est pas vraiment le point central, attendez, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, est-ce qu'on aurait 14 de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Oui Donc on a bien un point central qui est ici. Euh, et l'idée, c'est de bon, faire une déco sympa. D'avoir. Donc on a d'un côté cette partie-là qui est euh, l'arrivée des nouveaux shulkers. Donc il faudra trouver qu'est-ce qu'on met en face. Ici en soi, on peut peut-être peut faire des trucs utilitaires ici. Faut pas oublier que toutes nos shulkers vont arriver ici. Donc on verra ce qu'on met sur les côtés. Et puis sur les murs un peu plus lointains, comme je vous l'ai dit, on va mettre pas mal de shulkers. Je vais creuser un peu en hauteur hein, pour qu'on ait plus que 4 de hauteur. Euh, pas mal de shulkers accessibles qui euh, nous permettront de, euh, de tout simplement stocker les matériaux qu'on a en masse, comme par exemple la stone, le quartz. Pourquoi pas le verre brut, le sable, ce genre de choses. Pour pas qu'on les mette dans la machine ici, puisque ça, c'est des objets qu'on ira chercher plus régulièrement. Et euh, pour lequel. Alors je verrai si je mets aussi. Euh... Oh non, je pense que les redstone box, en fait, on, on ira chercher directement ici. Alors pour l'instant, il n'y a que du. Oh, D'ailleurs, je l'ai mis ici. Je n'ai l'ai pas mon coffre de, de check. Mais euh, on. On, on, on mettra dans les boxes, par exemple, que de la redstone, que des repeaters ou ce genre de choses. Enfin, même pas. On, on en fera une, par exemple, avec repeater, comparateur et euh, fil de redstone. Et l'autre avec l'ensemble des pistons, euh, des, des euh, dispensers, etc. On... On, on pré nos box pour que ce soit plus simple quand on part à l'aventure et qu'on doit construire, qu'on se trimballe pas avec non plus 50 milliards de shulker box. Donc sans plus tarder, je vais commencer par un petit peu la déco au sol. Euh, J'ai déjà des idées sur le design que je veux faire. Je vais déjà creuser la salle pour qu'elle fasse les bonnes dimensions de ce que je veux. Et ensuite on commencera à travailler dessus. Hein. On va vraiment faire purement déco aujourd'hui. Ça va être de la relaxation. Bon. On a de l'espace au plafond, alors on n'aura pas besoin d'avoir autant. Merde, pourquoi le beacon marche pas Oh What the fuck il s'affichait pas J'ai pas compris pourquoi. Personne sur le serveur en plus. <laughs> il y a un bloc qui... Euh... Je sais pas pourquoi on est d'accord, il n'y avait pas le beacon là. C'était un peu bizarre, il s'affichait pas. Euh, toujours utile qu'il est là. Alors, il n'y aura pas autant de hauteur sur plafond, hein, c'est juste que là j'ai creusé pour être large. Euh, on va s'occuper du sol. Et pour ça, on va utiliser je pense les, euh, les euh, pilars qui vont nous permettre de faire un petit peu des traits au sol et on va essayer de réunir euh, l'ensemble en commençant à partir d'ici alors, faudra voir, parce que je pense que pour l'aller, on fera une sorte. On verra, on mettra certainement des carpettes pour faire quelque chose de sympa. Avec ici un petit point central où on met, on, on mettra des petites lumières souterraines. Alors malheureusement, mon point central n'est pas vraiment central. J'ai pas pensé à ça quand j'ai construit ici tout le bordel. Là, je peux pas euh, enlever ces murs-là. Alors pour l'instant, ils sont en stone brick, hein, mais ça va bouger. Parce que derrière, tout simplement, j'ai des constructions, j'ai des hoppers notamment, et j'ai aucun moyen. De virer ça, hop on va enlever ça pour éviter que ça passe par-dessus. Donc c'est pas totalement central, je pense pas que ça soit si gênant que ça, c'est central par rapport à la pièce globale, mais pas par rapport au mur. Ici on est un petit peu en, en deux phases. Je pense qu'on le verra pas au final. Donc je vais commencer par modifier un petit peu le sol avec notamment les pilars et voir ce que ça donne. Alors maintenant que le contour a été fait, on va essayer de euh, s'amuser avec les escaliers pour faire. Des designs sympas de. Vous savez que j'aime bien faire ça. Utiliser des escaliers pour... avec les demi-dalles, ça... on peut faire des formes au sol. Alors le mieux c'est quand on l'utilise avec de la lumière. J'avais fait ça notamment sur le LP dans ma salle de passage dans le Nether où on peut éclairer par en dessous et ça donne des effets sympas. Ici on pourra pas le faire parce que euh, tous ces endroits là sont spawnables. Donc je préfère éviter les soucis. D'ailleurs on va mettre des torches temporairement. Euh, même si vous avez l'impression que c'est clair au max, c'est parce que mon gamma doit être à fond là, il euh, que je change ça d'ailleurs euh, Il va falloir quand même éclairer pour qu'on évite les soucis de spawn, donc euh... après il faut voir qu'est ce qu'on fait exactement On peut le faire en mode mégalo, euh, c'est peut-être bien de mettre une bordure en bloc complète, on va faire quelques essais au moins mettre une bordure en bloc et faire un bon truc de mégalo euh, du type de type ceci là ça me paraît bien ouais sauf que eux ils sont pas placés au bon endroit, on va le faire plutôt dans l'autre sens comme ça Bon, là c'est pas ouf, hein, c'est juste un A. Ah <laughs> mais c'est pour vous montrer. Je vais essayer de trouver des, des belles formes comme j'avais pu faire sur, euh, sur mon Alpé pour que ça, ça rende un côté sympa, un esthétiquement que ça soit joli à voir. On va utiliser des carpettes aussi, donc faut pas s'inquiéter sur ces blocs blancs là. Mais je pense qu'il y a moyen. On va peut peut-être pas utiliser les blocs blancs de quartz, mais plutôt les, euh, les chiseled. Ça sera plus joli euh, en termes de design que le, le quartz brut. Mais est-ce que c'est pas trop lourd par rapport au, au strait La question que je me pose. Je vais voir, je vais essayer de trouver un, un truc qui va bien. Et voici comment faire de l'art moderne en Minecraft. Euh, je sais pas, certains aimeront pas, je pense. Je trouve que ça, ça permet de rajouter énormément de relief. Euh, tout en étant sur du terrain plat, je trouve ça assez rigolo. Je me suis éclaté à faire euh, voilà plein de trucs. Alors d'ici on voit pas très bien parce que mais c'est pareil. Hein, je pense que je vais élargir les murs ici. Euh, on verra de quelle façon. Mais euh, je trouve que ça donne un côté sympa. Voilà vraiment ça rajoute énormément de relief. J'ai essayé de faire de la symétrie. Donc on a la symétrie un peu dans les deux sens, mais pas parfaite. On a je sais pas. J'ai repris un petit peu ce que j'avais fait dans le L.P. Euh, sur certains bouts de design, j'ai mélangé avec les chiselettes pour que ça rajoute là aussi des trucs. L'important c'est que à aucun moment on ait un trou de 4 pour pas tomber dedans, Parce que ça c'est désagréable quand on marche, ça fait un, un petit à coup. Et euh, bah ouais, je, peux... je, je sais pas trop, moi je trouve ça sympa perso. Je pense qu'on va couper le vert également ici, c'est inutile de le laisser, on mettra juste un verre blanc. Ici en dessous, mais euh, inutile de laisser, autant laisser le faisceau directement. Euh, bref, voilà. Après, je sais pas si, si tout le monde aimera, mais euh... euh, c'est quand, quand vous construisez ce genre de choses avec notamment les escaliers en quartz. Faites juste un petit peu olé olé en mode euh, essayer de faire des petites formes comme j'ai pu faire ici. Euh, et vous allez voir que par certains moments, vous imaginiez pas quelque chose du genre ici et l'escalier colle au bloc. Qui précédait, et ça fait des formes un peu étranges. Ça permet de faire des points comme ça, ou des ouvertures à trois comme ça, et ça permet de rajouter énormément de relief, comme je l'ai dit. Enfin, moi, je, je trouve le côté sympa. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est bien beau tout ça. On va passer aux murs. Alors, les murs, on va une fois de plus utiliser du quartz, mais on va utiliser de la hardenette Play, Et là, on va certainement me dire, ouais, plagiat Aurélien Sama et tout. Il y a un bloc qui va en hardenette clé, il y a une couleur qui va parfaitement avec le quartz. Enfin moi je trouve qu'il y en a deux qui vont parfaitement, après ça dépend du thème, c'est la Ardennet clé grise, euh, enfin c'est la science plutôt, qui va très très bien, comme celle que j'ai utilisée pour faire l'Illuminati. Euh, euh, elle va très bien avec, elle se marie parfaitement avec, sauf que c'est sobre, euh, et donc c'est sur quand vous faites des, des volumes, on va dire, où il y a beaucoup d'ardonnettes clé cyan et que vous mettez du quartz pour euh, relever un peu la... on va aller voir l'illuminati d'ailleurs. Pour relever un petit peu justement ce côté sobre pour des grandes structures, pour faire du détail. Et l'autre façon de faire, c'est d'utiliser de la hardenette clé rouge qui est beaucoup plus. Euh... enfin, qui éclate beaucoup plus à l'œil. Euh, qui... Voilà, qui donne plus d'impression. Et là, dans ce cas-là, faut pas utiliser des trop grandes surfaces rouges. Et Aurélien utilise énormément la hardenette clé rouge avec justement le, le quartz, et je trouve que ça rend bien. Donc c'est euh, deux, deux, deux façons de faire. Moi, je trouve que c'est vraiment la, les deux couleurs de ardoisette clé qui, qui s'allient le mieux euh, face au. Hop. Alors tout le monde m'a dit ah oui c'est vrai qu'il manque ici un, un trait, une liaison ici que j'ai jamais faite. Euh, donc, je trouve que c'est la hardenette clé qui. Ouais, parce que là vous voyez, ça va vers le bas et là faudrait que ça monte en diagonale. J'ai toujours oublié celle-là, bon, je, je remplacerai. Donc, je, comme je le disais, je trouve que c'est celle qui va le mieux. qui se marie le mieux avec le quartz en tout cas. Le rouge c'est mieux quand vous êtes dans des plus petits environnements, ça, ça pète un peu plus aux yeux et euh, c'est plus joli à voir. Donc, je vais mettre de la de clé rouge sur les murs et puis après on va faire des petites colonnes et on va commencer à placer. Euh, euh, les endroits où on aura nos shulker box. Bon, voilà, avec des blocs qui sont en train de voler là-haut, qui voltigent, Hop, on va les récupérer. Ça vous donne un, un premier aperçu euh, de, de l'idée, en fait, hein, au niveau de, du, du décor. Euh, ah, ouais, sauf que je me suis planté ici, c'est 1 de plus en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Semblait avoir bien compté. 1, 2, 3, 4, 5 non, non. Qu'est-ce que j'ai merdé Ah bah non, c'est là que c'est trop Je <laughs> savais bien que j'avais merdé quelque part. Touk, 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 touk. Touk. Euh, oui, comme ça. Comme ça, c'est pas évident après. Euh. On va remettre un truc au-dessus. Mais euh, ça vous donne une idée en tout cas de la couleur que je veux utiliser et comment ça apparaîtra. Donc ici... Alors je voulais faire un, un truc au début. <coughs> Pardon, très l'éternement. Je voulais faire un truc au début, euh, mais qui s'avère un peu trop complexe. Attendez, euh, décidément, je sais pas. En gros, j'aurais aimé faire une sorte de méga mur. Alors que, à chaque fois, avec des piliers, on, on pourrait rajouter en soit un pilier ici, un pilier ici, mais euh, ça, ça va trop couper. Je ne suis pas trop fan. On aurait plutôt fait une grande surface ici. Mais euh, voilà, dans l'idée, c'était à, à ajouter un pilier et avoir un bouton. Bon là il aurait fallu un espace autre. Mais un bouton qui est configuré à une shulker pour que ça nous renvoie la shulker en fait. Par exemple, imaginez ici on a une shulker, on veut le contenu dedans, on appuie ici, boum, ça casse la shulker, on la récupère. Le problème, c'est qu'il faut faire un liage entre des boutons partout et des pistons derrière. C'est super compliqué à faire sur à chaque fois un quadrillage comme ça. C'est comme des. Euh... C'est le même principe que les 7 segments, euh, sauf que les 7 segments c'est beaucoup plus simple parce que c'est pas pixel par pixel, c'est ligne par ligne. Donc là il faut le faire pixel par pixel. Je pense que c'est faisable, mais c'est assez l'enfer à faire parce qu'il y a tous des problèmes de bud en fait, hein, tout simplement. Euh, donc du coup... Je pense qu'en fait c'est faisable avec... Sans qu'on bud. Faudrait que je vois avec des observer bloc. Bon du coup je l'ai pas fait. Les shulkers, si on doit les récupérer, on les cassera. Alors là le mur apparaît comme très rouge, mais souvenez-vous qu'il va y avoir plein de shulkers de couleurs différentes. Donc on verra pas en fait. S'il y a des shulkers, on verra pas forcément le mur derrière. Alors je pourrais avoir le choix, et je me pose la question, est-ce qu'on va faire full shulker ou est-ce qu'on mettrait pas des coffres Ça pourrait être intéressant de mettre des coffres au final. Euh, on met... Dans ces deux zones-là, on mettrait des coffres, des doubles chests, et euh, dans les zones ici, plutôt des shulkers. Et je pense que je, fin... je vais faire ça au final. Bon, il nous reste le reste de la déco à faire, notamment les murs. Je vais partir sur le même thème, je vais faire mes petits piliers, etc. Et comme ça, on verra ce que ça nous donne un petit peu après. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Regardez-moi ça, comme c'est pas joli! Ah, ça met toujours du temps à... Ouais, parce que je déco reco à chaque fois pour rafraîchir un petit peu, mais ça met du temps à apparaître. Alors au final c'est dommage un petit peu ce, ce beacon. Euh... Au final, ça serait mieux qu'il passe pas par là. Ce serait plus joli la salle. J'aime bien l'aspect un petit peu de tête de mort là. Euh... Alors, il nous manque... Il faudrait que je mette des blocs autour pour que ça soit fermé ici hein, et que ça ne soit pas... Euh totalement ouvert donc ça faudra que je rajoute. Euh, les plaques de pression on a tout. Alors ça sera pas totalement rouge comme ça mais c'est vrai que le rouge et le quartz ça va vraiment bien ensemble, hein, on le voit. Ça va pas être rouge au définitif, pourquoi Parce que ici on va mettre probablement des coffres je pense, c'est ce qu'il y a de mieux à mettre, on en a beaucoup. Euh, par contre ici ça va être des shulker box, hop, ici et ici, avez... j'ai pas mis de lampe exprès. Pourquoi mettre des coffres ici Ah bah tiens j'ai oublié de remettre euh, la lampe là. Parce que euh, tout simplement... La lumière va passer à travers. Enfin, C'est pour ça que j'ai mis de la lumière plutôt ici. Et ça sera de l'emplacement des coffres ici, on verra. Donc ici, ici, Shulker. Euh, très probablement ici, Shulker aussi. Surtout ce mur là. Euh, et puis ça devrait suffire. On va aussi garder peut-être un point pour faire du genre une petite table de craft, des enclumes, des trucs comme ça pour la base. Euh, quand on aura besoin. Peut-être un tout petit coin. Ouais, je verrai. Je verrai après pour euh, l'équipement. Euh, il me reste une dernière chose à faire pour aujourd'hui vu qu'on fait vraiment que la déco, l'équipement on verra après. Alors là je verrai si je mets une... Est-ce que ça va si je mets... Je voulais fermer, pour pas que ça soit open. Ouais franchement ça choque pas de mettre un petit truc en quartz comme ça. Le mur ici est un peu brut, malheureusement on n'a pas trop trop le choix. Mais. Euh... Parce que enfin, j'aurais aimé le décaler d'un, mais j'ai pas envie de refaire toute la redstone derrière. Du coup, c'est pas totalement symétrique aussi. Mais alors, sur les piliers ici, c'est symétrique. Ici, on a juste un pilier en plus. En soi, je peux rajouter un pilier. Ça choquera pas, tiens. Ça peut être pas mal ça. Mais on va voir ce que ça donne. Euh, si je rajoute un pilier, faut juste que je casse un petit peu là-haut. touk, -touk. Euh, Hop. Prendre deux stone on met nos deux piliers ça on va pas le mettre du coup j'avais mis une lampe je crois ici donc on va remettre une lampe et on va refaire ça bien donc ça venait ici ici toujours la merde à caler ces trucs là et ici et euh, un comme ça j'en ai pas mis en face Ouais, ouais, et ici, et c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Comme ça, on a une symétrie. Ici, la zone fait plus petite, ça fait moins pavé et c'est vraiment dédié que au coffre. On mettra des petits signes pour pas se tromper dans la machine si jamais un jour on oublie. Euh, mais je trouve que ça, ça va. Au final, on a une bonne symétrie. L'ensemble va très très bien au niveau du quartz. Et euh, du rouge, j'aime beaucoup le sol au final qui, qui, qui va bien dans l'ensemble de la salle maintenant qu'elle est là. Il nous reste le plafond à faire, qu'on va faire à la fois en quartz et à la fois en stone brick. Ça ira bien ensemble plutôt que de remettre du rouge et comme ça on aura des variations d'escalier. Donc je finis ça tranquillement. Euh, et puis euh, bah, je place... je placerai... Oui mon poisson. Je pense pas que j'ai placé les shulkers maintenant. Alors les shulkers, évidemment, dans un premier temps, elles vont certainement être brutes, c'est-à-dire avec euh, des, la couleur violette magenta que vous connaissez de base. Euh, mais après, on les colorera, par exemple pour le quartz, on les reconnaîtra de cette façon-là. Ici, je pourrais peut-être enchaîner coffre, shulker, coffre, shulker. Ça pourra peut-être donner un côté assez sympa. Les shulkers pour le transport et les coffres pour le stockage, parce qu'on peut mettre des doubles chests en ligne droite, ce qui permet d'avoir un plus gros stockage. Ça peut être une solution aussi d'alterner. J'ai réfléchi à qu'est-ce qui est le mieux. Euh, mais je pense qu'alterner c'est pas con et en plus ça laissera passer la lumière à travers. Ouais, il me semble que, que c'est le mieux. Bon, je fais le toit et on se retrouve pour conclure tranquillement cet épisode déco. Et voilà avec le toit et le faisceau rouge. Je sais pas si on le laissera rouge, je sais même pas si on laissera le faisceau en fait. C'est vrai que ça vient cutter un peu la salle, pas au milieu. En soit on pourra en mettre un deuxième ici, ce <laughs> serait parfait. Euh, mais ça permet de casser un peu la symétrie totale de la salle aussi, c'est pas mal, ça change un peu d'habitude. Bon, je trouve que la salle quand même a de la gueule. Euh, on a réussi à faire même un truc sympa pour notre salle des coffres. Bon, Aurélien, euh, ça m'a approuvé. Non <laughs> ça, ça ressemble au design qu'il a l'habitude de faire. Euh, en tout cas sur les, euh, sur les matériaux utilisés. Après, lui, il fait des arches un peu plus grandes. Moi, j'ai tendance à... C'est vrai que j'ai remarqué... Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Lui a tendance à faire vraiment des belles arches. Moi, j'ai tendance à faire un petit peu des arches, mais à faire, à queuter au niveau du plafond. Vous voyez que c'est un peu plus plat, c'est un peu plus euh, aplati. Lui, il met un peu plus de hauteur, un peu plus cathédrale, on va dire. Euh, donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai mis des lampes, j'ai mis des poutres un peu qui viennent couper le tout. C'est pareil, ça rajoute un peu de relief là-haut. Voilà, un peu de relief sur le plafond, mais pas trop. Euh, il nous reste plus qu'à évidemment placer les coffres. Pour ça, j'en ai plein. Euh, on va voir aussi. Il me reste 64 chests. Euh, ouais, j'ai la table de craft qui est ici. Je vais voir ce que ça donne un petit peu en plaçant les coffres. Euh... Ah, oui, le seul problème c'est. Hein. J'aurais aimé placer des doubles coffres. Donc, faut qu'on fasse des enfoncements. Hop. On, on va juste tester, voir ce que ça donne. Euh... Euh, non, c'est bon, j'ai pas besoin de creuser plus. Si je voulais juste. Pour avoir ça. On a voulu remplacer ça, ça. I. I. Et ça. Et en gros, on va, on va juste essayer d'un côté voir ce que ça donne. C'est 1 sur 2. Ah ouais, mais merde, c'est pas symétrique. Donc le central sera un peu différent. C'est juste avoir un aperçu. Ou alors on fait 2-2. Euh, non, il vaut mieux plus de shulker pour le coup. Bon, je me comprends dans la... Vous allez voir tout de suite. On va crafter plein de shulker en plus, ça va être trop cool. Pour finir tranquillement cet épisode. N'hésitez pas à dire euh, si vous avez des petits conseils. Je me pose la question pour le beacon. Ma, ma plus grande interrogation, c'est le beacon. Est-ce qu'on le laisse Est-ce qu'on le laisse pas euh, Il est quand même bien parce qu'il est central et que euh, euh, ça alimente. Enfin, ça permet de faire des faits de base. Après, on n'est pas obligé de le laisser là. On pourra le mettre à d'autres endroits, en mettre plusieurs. C'est pas problématique. Mais, euh, mais je sais pas. Je pense qu'il fait partie du truc d'un autre côté. Ouais, c'est vrai qu'il qu traverse au centre. Alors euh, du coup j'ai pris des... ouais des trappes de chest, on va garder... je sais pas si on peut faire... tiens c'est une grande question avec les shulkers, est ce qu'on peut faire des shulker box Oh là ça va être infâme, il faut que je déplace la table de craft hein, parce que sinon ça va être infâme à crafter. Est ce qu'on peut faire des shulker box avec des trappes de chest tiens, jamais testé. Donc on mettra évidemment des tables de craft un petit peu cachées, un de chest... Non ça marche pas, hein. je crois que c'est qu'avec des Ah c'est qu'avec des chess normales, tiens. Chose assez étonnante. Euh, et donc, il faut imaginer... Alors ça sera pas la couleur définitive, parce que forcément, là, ça va pas être joli. Hein. Ouais, avec cette couleur-là, ça va pas être joli, mais c'est pour vous donner une idée. Euh, soit on fait... Enfin... Je suis pas vraiment partant pour faire quelque chose qui... Euh, qui aille vraiment... Donc on va utiliser plutôt des trapèzes de chest qui aille vraiment dans le sens du design de la salle. Voilà, parfait. Dans le sens où... Euh, il vaut mieux mettre des shulkers de couleur, qui seront adaptés à... Euh, suivant ce qu'on aura dedans, pour les reconnaître. Après, on n'est pas obligé, hein, ça peut être des shulkers de transport, donc on peut les faire... Euh... Tiens, dites-moi ce que vous en pensez là aussi. Qu'est-ce qui est le mieux selon vous Est-ce qu'on les fait vraiment d'une même couleur Parce que là, là, violet, ça va pas être joli. Hein. Oh, quoique Est-ce que ça passe euh, Temporairement, je vais verser tout ça là-dedans. Ça, c'est là-dedans. Comme ça, je serai un peu plus tranquille. Alors, chest. Bim. Plein de. Ouh, j'en ai peut-être fait un peu trop. Ouais, j'en ai même fait beaucoup trop. C'est pas grave, parce qu'on aura d'autres murs à shulker. D'un autre côté, les, les shulkers on les, on les identifie bien grâce à leur couleur euh, violette comme ça. Donc, est-ce que c'est pas plus mal non plus Alors, il me reste plein de shulkers, on, comme je l'ai dit, on va mettre d'autres shulkers. Je sais pas, ça je, il faudrait que je teste avec différentes couleurs, voir euh, qu'est-ce qui rend bien, qu'est-ce qui rend moins bien. Euh... Fissons de remplir un côté comme ça, ça nous permet de voir. Oui, j'en ai fait beaucoup trop. On peut l'ouvrir ça là Hop. Euh, ici, il y aura autre chose. En fait, ça va en violet, hein. Ce que vous en pensez. Blanc, j'ai peur que ça fasse trop blanc. Euh, rouge, on les verra pas. Quoique blanc, ça peut être sympa. Mais j'ai pas envie. Oh, ah, je, crois je sais pas si on peut les recolorer de base après les shulkers une fois qu'on qu les a mis. Grande question que je me pose. Bon oh, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez ah, Selon vous... Quel est le mieux à faire Est-ce que c'est de... Mettre vraiment des shulker box qui sont en, en rapport avec leur contenu, sachant que celle-là ça va vraiment être pour du, du gros stockage, donc euh, ça va être un peu les mêmes couleurs. Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, tout simplement euh, avoir des shulker box comme ça qu'on qu reconnaît bien? Hop, 16 de plus, de toute façon je suis au max. Enfin, il m'en reste plein. Hop, bon, je, je finis juste ça comme ça on voit la tête de la salle euh, complètement terminée. Enfin, avec les shulkers en tout cas, pour voir ce que ça donne. Vous aurez un meilleur aperçu comme ça. Et voilà, une fois euh, tout complété, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. manque peut-être un petit truc là aussi. Ou alors on met pas de shulkers là-haut. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, on, rajout, on rajoutera des choses, déjà des idées dans les coins. Vous inquiétez pas, ça sera pas vide. Pareil pour là-bas. Euh, mais c'est pas trop mal comme ça en soi. Là, on peut, on peut même remettre des shulkers ici. Voilà, moi, moi, moi j'aime bien. Bon, en tout cas, je trouve que la salle est jolie. Sur ce, eh ben dis donc, ce beacon, en fait, ouais, j'ai l'impression qu'il faut... revient que quand on le revoit. Sur ce, je vous laisse et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour euh, continuer tranquillement notre petite aventure sur HolyCube. Ciao, ciao, ciao.